Hello la team, jour 4, let's go. Aujourd'hui on va faire des photos de nouveau kit. Show me your nouveau kit. Voilà. Entraînement des juniors ce matin. On va les rouler cet après-midi. Au final j'aurai le temps de rouler, donc ça c'est plutôt cool. Je vais avoir 3 heures, donc j'aurai le temps de bien laper, de bien connaître la piste. Et franchement, en 3 heures t'as le temps de faire des choses. Et ensuite j'irai aider mon petit Peter et mon petit Torin qui seront en haut avec les juniors pour leur start, le premier start qu'ils vont prendre en qualif. Let's go. Ben, on fait quoi? Le team photographie. C'est Junior. 3, 2, 1. Bon, là, je vais chercher des petits cafés et je vois qu'il y a déjà pas mal de monde aux entraînements. Là, pour le moment, c'est les juniors groupés. Donc, après, ce sera notre tour. Allez, 11h32-35. Nous, on roule à midi. Go time, baby. Salut, boy, ça va? Bon, là, on est au sommet. Petit biclou, il est prêt. Il y a déjà plein de Frenchies. Ça va, bon? Et là, tu vois des vélos, c'est des ordinateurs, les bordels. Il y en a même, ils sont cachés là. C'est la course à la technologie maintenant. Il y a déjà toute la clique qui a des mains à la première ligne. Oh, il y a même un enduriste. Ça va, bon? Comment il va? La forme? Crazy Lali. Crazy Lali. Ah, le boss. La machine. Oh, ça dit quoi là? Ben, pas grand chose. Hein. Ils nous montrent les traces un peu, les jeunes. Ouf. Oh, c'était bien ça, non? Il y en a qui passent un peu la gauche. Bon, regardez-moi la marée de champions là. Là, il y a du podium au World Cup dans tout ça. Les dernières meufs, elles arrivent, elles vont aller faire leur lap. Et regardez-moi tous ces gars là, ils sont chauds. World Cup 1, Benoît Coulanges, et les déter. Qu'est-ce qu'il dit? Et les déter. On est tous arrivés une demi-heure en avance. Ça fait 8 mois qu'on a faim. Ben ouais, c'est ça, ça fait 8 mois qu'on attend là, donc faut y aller quoi. Let's go, first run. Hop, inter. Pour s'arrêter les poteaux, c'est pas mal. Du coup, on peut juste sortir et re-rentrer quand on veut. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas con. Nyx, tu nous fais quoi avec tes trucs nucléaires là? T'as amené le compteur GGR? Nyx, c'est l'entraîneur de Lolo et de tout le team Spé. Il prend des chronos entre certaines intersections pour voir ce qui va le plus vite. Yo, mon deuxième run, la pluie est arrivée, franchement ça a un peu tout changé à la piste. Il y avait pas mal d'endroits où ça glissait beaucoup plus, notamment sur tout ce qui est parti Racine en débert. Les réglages du vélo sont un peu différents, donc du coup je vais
Je vais essayer de trouver un truc qui me convient. Je trouvais que l'avant était pas trop au contact du sol, ça sautait beaucoup. Et peut-être l'arrière était un peu dur à faire rentrer. Je pouvais pas trop pousser sur mes jambes pour vraiment être posé dans les parties raides. Donc voilà, je vais ramener le vélo à mon petit Peter en espérant qu'il puisse faire quelque chose de, voilà, de viable. Hello! Peter, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, rien. Non, on a retourné sur nos réglages de Super Morzine qu'on a fait le testing à Morzine. On a fait un testing à Super Morzine, il y avait plus de racines et de cailloux. Et en fait, on a recommencé avec un setting qu'on avait à Morzine en général quand on roulait le bike park. Yeah. Au final, c'était un peu trop dur et ça tapait les bras et ça rentrait pas assez bien dans, entre les trous et les racines. C'est bien ça, voilà. Il a bien raison, ma Thibaut. Allez, let's go again. Donc là, c'est le petit tableau des temps. Donc là, Harrington Caribou, il part à 16h37-30. 15h54-30. Hop, et donc ils vont partir du pit à 16h là, 15h45 pour Amy parce qu'elle roule à 16h37, le temps qu'on monte les entraîneurs et tout. Et Wyatt, il est à 15h54, donc il va monter à 15h. Ouah, fait chier, la pluie elle arrive! Ça va mon poulet? That's the deal here. Consistent, like low to high. Yeah. Shake. Oh. Les débriefs du run 3, on est encore un peu plus sale. Ça commence à être vraiment chaud, il y a des parties qui deviennent verglas, verglas. Ça doit venir avant. Hey Michel, on est... Oh, XS. C'est le sang ça. Le mec il m'a pris pour Ben 4O. Ça glisse à bloc. Mais bon, on prend quand même du fun. Je prends vraiment du fun sur le bike, je m'amuse. Je tape des petits lots, des petits manuels un peu partout. J'essaie de m'amuser quand même. Vu que moi j'ai pas trop d'enjeux. J'ai plus la, trop la pression de la course, donc ouais. Je pense que pour mes juniors, je vais leur conseiller d'y aller safe. Filming the rain. Yeah. Ça reste plus haut et ça envoie... Ouais, exactement, c'est ça que je veux, genre pouvoir rester un peu plus haut du guidon et que ça me pousse moins vers l'avant, tu vois. Voilà, enfin. Yo, Toby. That sounds fine, but I think yours is something wrong with your one. All right, sick. Mine must have water. Ah! Allez, Micheline, on se réveille. Hey, tu vas faire du vélo dans une heure. No. Si. How did you know what he was saying? Ça, c'est bon. Allez, hop, spéciale cabine au nom des partenaires. C'est good ou c'est pas good? C'est pas mal. Jaune, yellow, we can go. Oh, sorry. Ils mettent 100 ans à laver leur vélo. Il marche quoi ce machin? Il marche plus? Ok, ça marche pas leur merde. Allez hop! On va faire du karcher. Si au moins ça marche.
Bon, allez, fin de journée pour moi. Il y avait déjà des gars qui commençaient à se mettre à la mort là. Ils se mettaient des. J'ai vu Aaron Gwynn tomber devant moi vraiment lentement. Moi je coupe, j'arrête. Je vais remonter le vélo à Peter, je vais tout nettoyer. Et je vais emmener mes deux juniors au sommet. Harry! Oui. On a mis la chemise là, la chemise, the skirt. Now it's business time. It's time. The business. Bon, on s'est changé. On vient de mettre la. Je suis passé de tenue dresseur à la petite chemisette. Un peu old school. Mes chemisettes stylées, party shirt, le Darko. Et on va au race run de Amy. Du coup, le quali run pour elle. Bon, alors on était au sommet. Le petit Thorin, le mécano d'Amy, il avait oublié d'aller lui mettre son petit timing chip, le transpondeur. Donc j'ai été le faire. Bon, bah voilà, deux dernières minutes, mais ça marche. 5 minutes before Amy's run. 5 minutes. Amy part dans 5 minutes, donc là on l'attend, on va être avec la bouteille tout prêt pour elle. Thorin il a ses lunettes, généralement les lunettes et les gants, on les donne dernière minute. Cool race. Bye bye. Safe and smooth. Safe and smooth. Go Amy, go 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 go. Donc là ce qu'on fait concrètement c'est qu'elle vient de partir. On regarde le live timing. Boom. Par rapport au premier temps de la première junior qui est déjà arrivée, elle est moins 2 secondes 3, donc elle détruit son temps quoi. Oh, yeah. Hey, salut. Bon là je vais rester du coup parce qu'il y a mon deuxième, il y a le junior Wyatt Harrington qui va pas tarder à arriver. Et inscrit sur notre team, il y a aussi Milan Falke et Nathan Pombian. Donc juste ici, j'ai pas envie de le déranger juste avant sa course, mais du coup il va partir bientôt, donc je vais aller voir ça. Allez dude, allez, allez. Ok, donc Wyatt il est juste sur le point de partir, moi je descends pour le voir rider, pour le voir à l'arrivée et prendre son temps. Tiens, regardez là, il y a un rider sous nous. Faut être dans les 25 premiers pour se qualifier. Donc voilà, après c'est sa première qualif en junior, il est junior première année, il était malade l'autre jour. Ça va être chaud en vrai. Ouh. Plus 2 secondes. Mal, sachant que les premiers ils ont vraiment tracé, c'est bien. What? What? Good job. You crashed and you're stealing, dude. Yeah, really? Yeah, you're 20. It's 25. There's a bunch more people though, I think. You're 20. Petit Wyatt, il a crashé. Il a crashé dans la partie la plus raide, mais a priori il était bien, franchement, il était genre dans le top 10 là-haut. Sa première qualif en junior 1, machin, qu'il était malade et tout. Le temps était vraiment bon jusqu'au crash. C'est chaud, mais bon, je suis très content de lui. Et au moins on sait qu'il a la vitesse, ça rassure. Bon allez, fin de journée, on s'arrache. Maïto, Michel. Faut que je fasse la cuisine, moi. Et c'est moi qui ai de corvée de cuisine ce soir. Ah, mes loulous, à toutes. À toutes. Jour 5, jour 5. Je suis avec ma Micheline et là on marche, elle va vous dire pourquoi. On marche à cause de ce militaire. Ouais, on marche à cause de ce compte militaire qui ne nous a pas laissé passer. Amy, mm-hmm. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Comme si comme ça. Non. Non. Elle comprend rien, c'est trop drôle. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je m'appelle Amy. J'adore. Le BTT. Et c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oh oui. It's my birthday. Et ouais, happy birthday Amy, t'as 18 ans. 18. Et hey, c'est l'heure de récupérer le gâteau d'Amy. Let's go. On a le gâteau. Micheline, t'es malade, you're sick. Oh. Ouais, tu cures pas aujourd'hui, donc du coup on lui a donné la dead cam. GoPro and dad cam. Et il va aller sur le bord de la piste et il va nous filmer. Ok, okay.
Ah oui, je réalise, j'ai oublié de vous dire les résultats hier. Donc du coup, Wyatt, il a fini genre 33e avec son crash, ce qui est vraiment bien. Et Amy, elle a fini 4e des qualifs, sachant qu'elle était quasiment 2e, voire première tout au long du run. C'était plutôt encourageant. Bon, ce matin, on est un peu inquiet avec l'équipe parce que Amy, elle est... Je pense qu'elle a chopé la maladie de Wyatt. Et la nuit dernière, elle tremblait et tout. Ce matin, elle se sentait pas bien. On l'a vu en vidéo sur ses premiers runs, c'était pas terrible. Ça allait pas très vite, donc je pense que ça va être compliqué. Attends, on a pas trop de chance cette première World Cup. Ok, on était en piste là. C'était pas ouf. C'est pas le meilleur feeling du monde. Amy est malade. Et a priori, Ben s'est mis un maxi crash. C'est Winmaster qui vient de m'appeler dans le paddock et de me dire que t'es mis un gros crash et qu'a priori ça va pas du tout. Pour le moment, je retourne au paddock, je donne mon bike à Peter. Si j'en sais plus sur Ben et son état de santé, bah, j'irai le voir. Je pense que maintenant, il est entre de bonnes mains s'il est déjà avec les secours. De toute façon, c'est pas moi qui vais lui faire des pansements. Waouh! Ce matin, c'est un peu la dégringolade, quoi. Il a plu la nuit dernière, il était malade. Moi, je me sens pas bien. Ben, il est tombé. Ah, je vais pas vous cacher que ça commence à me tendre un peu. Bon, on va voir. Have a good run! Mon dernier run d'entraînement et franchement c'était chaud. J'espère que cette après-midi j'arriverai à être confiant sur le bike pour rouler comme j'ai réussi à faire ce matin. J'ai juste quelques doutes parce que je galérais pas mal, surtout au niveau du souffle, du cardio. Je sais pas pourquoi, je faisais un demi-run et je suis déjà à bout, je suffoque. Moi aussi j'ai chopé un peu la maladie, mais j'espère qu'en tout cas ça va bien aller pour Ben. Il est entre les mains des médecins maintenant, donc déjà c'est une bonne chose. J'espère que il disait qu'il y avait son dos qui lui faisait mal. J'espère que c'est pas trop grave. C'est le hot seat pour les meufs. Et là, il y a Amy en course. Allez, Amy, let's go, let's go, let's go. Bon, rien lié, je pensais vraiment pas rouler. Au final, bon, bah, Ben, il est à l'hôpital. Je vais essayer de lui faire honneur. Donc, du coup, on part avec mon petit Michel. On part pour le run de qualif. Il va m'accompagner, il va me faire l'homme trainer et tout ça. Allez, let's go. Bon, allez. On est 4 minutes avant le run. Je suis avec mon Michel. Quand je mettrai mes lunettes, c'est que je me mettrai dans ma bulle. Je me chie dessus, mais c'est normal. Allez, ma poule. Roule bien, ma gueule. See you at the bottom. Good luck, dude. Bon, mon âge, cool. Cheers, Roddy. Thank you.
Fini le run. Bah écoutez, j'ai donné tout ce que j'avais. Je sais que je suis pas au sommet de ma forme, tout machin. Voilà, j'ai roulé comme j'ai pu, j'ai donné ce que j'avais. 2,56, je pense que ça va être un peu loin. Je pense que je vais me faire ouvrir. Et je pense que je vais même pas passer la qualif, parce que là ils sont en 49. J'ai essayé. Et pour moi, ça va pas le faire du coup, je vais pas passer la qualif. Je pense que la qualif elle va être en 54 et je suis en 56, donc 2 secondes derrière. Si on considère qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, Wyatt qui a été malade, il a fallu arranger des choses pour lui, Amy qui a été malade, il a fallu qu'on fasse tout pour elle aussi. Ben qui s'est cassé du coup une vertèbre, on vient d'avoir le verdict, donc Ben est à l'hôpital, il s'est cassé une vertèbre, donc ça a fait beaucoup de choses à gérer. Ça fait chier de pas aller au moins en demi-finale, mais je trouve que j'ai quand même le rythme. Et surtout je me suis fait plaisir pendant mon run. Maintenant on va aller voir Ben à l'hôpital, on va aussi prendre le gâteau d'anniversaire de Amy, faut pas que je dise trop fort parce qu'elle est derrière. Et on va fêter son anniversaire du coup là-bas à l'hôpital. Aïe. Aïe, 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 aïe. Non. Non, non, non. Pour se consoler, petit swim dans le lac de Lenzerheide. Nage tranquille avec les enfants dans l'eau gelée du lac de Lenzerheide. Junior, il commence à tout ouvrir les trucs des infirmières. Bon, là, on est à l'hôpital, du coup, parce que Ben, au final, il s'est cassé une vertèbre. Et du coup, on a aussi amené le gâteau de Amy à l'hôpital. Du coup, ça fait une scène assez bizarre. Best thing vlog ever. T'es tout cassé, Michel. Oui. Et t'es tout cassé. Petit cassé. Un petit peu cassé. La vertèbre. Ouais. Cassé dans l'intérieur. Où c'est marqué. Cassé dans l'intérieur, ouais, la vertèbre. Donc Ben, il s'est cassé 7 vertèbres, mais le fun fact, c'est qu'il s'était déjà cassé une vertèbre, mais il ne le savait pas. Et ça, c'est... Et ça, c'est la vertèbre qui s'est cassée en 3 morceaux. Ouais. What the fuck. Et ça, c'est le gâteau d'anniversaire de Micheline pour ses 18 ans. Et aussi, il ne faut pas allumer les bougies dans un hôpital. It's kind of like mousse. Mm, it's like a giant mousse. Mm. There is sponge if you dig down close. Yeah, you can get to that bit. Il est 20h, 20h30, un peu plus. Retour à la maison. Et je vais pas vous mentir, je suis éclaté, je suis mort. Non, big day, c'était assez intense. Mais c'était cool. Bon là, du coup, c'est direction cure. Sure, je sais pas comment dire. Je vais récupérer Ben, du coup, parce qu'il peut sortir de l'hôpital ce soir, là. No, that's not true.